Bienvenue dans ce vlog. Si je vous dis que dans ce vlog, il y aura des colis. Mais quand je vous dis des colis, il y aura des colis. Regardez déjà l'arrière de ma voiture. Hein? Il y en a là, il y en a là. C'est que des gros! C'est que des gros! Ça vient du site Temu. Depuis que j'ai découvert ce site, eh bien, ma foi, j'arrive plus à m'arrêter à passer commande parce que ça vaut vraiment le coup. Pour celles qui ne connaissent pas, Temu, en fait, c'est. On peut dire que c'est du AliExpress, du Amazon, du Shein. Moins cher, livraison rapide en une semaine. Vous pouvez avoir votre colis en express pour 5 euros quelque chose. Et quand je vous dis en express, sachant que. C'est en une semaine, alors je vous raconte pas qu'en livraison express, enfin si vous êtes pressé, voilà. Donc dans ce vlog, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de colis. Et je vous retrouve tout à l'heure. Kiwi Burn, c'est en fait la marque de cette brosse à dents qui existe en plusieurs couleurs. Je l'ai choisie grise anthracite et fuchsia. Nous avons dans le boîtier un étui pour transporter la brosse à dents. Qui est aimanté, un étui tout en velours gris. Ensuite, là, nous allons avoir deux boîtes cartonnées, dont celui-ci qui va contenir le chargeur. Voilà. Et ici, nous allons avoir un lot de deux brosses à dents, donc une de rechange. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons un cache pour la protéger des poussières, etc. Nous avons le bouton Power avec plusieurs options de nettoyage, de brossage. Et nous pouvons régler l'intensité ici, plus ou moins fort. En appuyant sur le bouton Power, nous allons descendre sur les autres options. Avec une option Vibration pour accéder dans les zones un peu plus difficiles d'accès. Donc nettoyage doux. Un peu plus intense et ainsi de suite. Donc là en fait on a une vibration latérale avec les poils, je sais pas si on peut voir, qui se dilatent, qui s'écartent. Et là nous avons une constance de vibration. Allez, on va ouvrir tout ça. Ça c'est une commande que j'attendais avec impatience, ça n'a pas mis trop de temps, ben, une semaine hein, comme je vous ai dit. J'en ai encore d'autres à recevoir. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous présenter ça à toutes les autres commandes dans la vidéo. Alors là, nous avons. Ce sont des lacets mais aimantés. Ça veut dire qu'ils sont élastiques. On n'a pas besoin de défaire les lacets. On enfile en fait sa chaussure comme une chaussette sans défaire les lacets. J'en ai pris pour Jules, j'en ai pris pour moi aussi. Donc j'ai pris deux systèmes. Soit à aimanter ou à clipser, je crois. Là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mes cocottes! Vous savez que j'adore les poules. Elle est trop rigolote. J'ai pris une poule comme ça, qui va venir compléter ma petite collection dans la cuisine. Là, je pense que c'est une poule aussi. Parfaitement emballée. Hein. Donc elle existait en plusieurs coloris, blanc, rose, orange, avec les pattes, les longues pattes comme ça. Elle est marrante. J'ai repris une noire. Hein, toute ma collection de poules. La rouge et la blanche. Ça sera posé sur ma cheminée. Ça, c'est, que je vous dise, une étagère. C'est une étagère pour mettre mes parfums. Voilà, parce que j'en ai une là, mais elle dépasse du meuble. Donc du coup, j'en ai pris une plus courte pour pouvoir mettre mes parfums. Donc c'est à monter, hein. Vous avez les étagères en bois.
et le support sur le côté qui est en plastique, en plexiglas. Et vous avez le kit de montage avec le tournevis fourni avec. Vous allez voir ce que ça donne une fois monté. L'étagère à parfum. C'est tous les dupes en fait que j'utilise au quotidien. Et puis bah, tout ce qui est de marque, c'est le week-end pour moi. À côté, c'est une tour en acrylique anciennement pour tout mon make-up. Et du coup, j'ai mis tous mes vernis. J'ai pas trop de vernis, mais je veux pas en avoir plus parce que je trouve que bah, c'est déjà pas mal. Hein. Donc comme je bricole beaucoup, je mets pas souvent de vernis, mais quand j'en mets, bah, j'aime bien quoi. Déjà, ça c'est le premier colis terminé. Ici, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai commandé moi? Mais j'ai pas commandé ça. Je pense que c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau parce que j'ai pas commandé ça. Donc c'est un cadre avec de la profondeur. Bon ben merci hein, Timou. Ensuite, on va passer à celui-là. Un gilet beige, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est le même style de gilet que j'avais déjà, j'avais déjà acheté il y a longtemps. Oh, et non mais la qualité. Il est défilé, hein. Non, bon, ça va. Oh, bah, pourquoi il y a une étiquette là? On va la couper. Non mais la qualité. De malade. Regardez-moi ça. C'est marqué Minou. Waouh, magnifique. Avec deux poches. Moi, j'ai pris la taille M. Ben, en l'essayant, j'aurais pu très bien prendre la taille S. Il est trop beau. Et il tient chaud. Je suis contente pour mon gilet. Ici, nous avons un rangement pour mon bureau. Encore une fois, vous savez que je suis en train de finaliser tout ça, d'essayer d'arranger au mieux, d'optimiser l'espace, malgré l'espace que j'ai, parce que j'ai quand même, enfin je dis malgré, mais j'ai une belle pièce de vie là, et comme j'ai beaucoup de bazar, il faut que ça soit organisé. Donc là c'est le même style d'étagère que j'avais déjà commandé sur Timou, je crois. Voilà, on peut mettre plein de choses dedans. Donc ben, je montrais ça tout à l'heure. Vous voyez, c'est parfaitement emballé. Normalement, on reçoit les colis dans des plastiques Timou orange. Là, ils sont blancs. Là, c'est un autre rangement. C'est un panier sur roulette. J'ai pas mal de matériaux Cricut. Et c'est dans un coffre pour l'instant. Je ne retrouve pas ce que je veux. Donc là, le fait de les mettre debout, ça va être sympa. Là, il y aura juste à mettre les roulettes. J'en avais commandé 3. Donc, les roulas. Et même la clé, hein. Super. Voilà, le rangement pour tous mes matériaux, tous mes vinyles pour Cricut. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est à roulette. Voilà. C'est facilement transportable. Donc là, comme ça, j'y vois un peu plus clair. Mais sympa. Hein. Donc, c'est toute une structure en métal blanc. Et il existait aussi en noir. J'ai reçu également cette petite poubelle de table. Moi, je m'en sers pour mettre tous mes petits déchets, coton, lingettes, etc. sur ma coiffeuse. En plus, ça va bien avec le reste. Et ce qui me reste à recevoir, c'est une autre boîte cosmétique. Parce que j'en suis vraiment très contente. Donc là, j'ai rangé mon make-up que je me sers régulièrement. Donc on a des compartiments. Et puis là aussi. Donc j'ai repris la même pour remplacer celle-ci. Parce que celle-ci, je la trouvais jolie. Vous voyez qu'elle va parfaitement avec la petite poubelle et tout le restant. Mais les portes, je suis pas trop... Oui, ça va se casser la goulette. Donc, j'ai repris une comme ça pour pouvoir mettre tout ça dedans. Et puis celle-ci, on verra bien après ce que je pourrais mettre dedans. Donc, du coup, j'ai reçu la seconde. C'est la même que celle-ci. Et ici, ce sont tous mes soins, mes crèmes, etc. À part dans celui-ci,
ou c'est les rouges à lèvres, parce que je n'avais pas trouvé de place. Et compartiment à rouge à lèvres, ben, il n'est pas assez haut. Vous voyez, si j'en prends, regardez celui-là déjà, il ne rentre pas dedans. Ce sera que pour les petits, ce qui rentre celui-là. Oui, encore, à la limite, je vais pouvoir alléger et en mettre là. Très contente. Vous voyez que c'est super bien protégé. Alors, découvrons cette machine de la marque Glacis Fraîche. Vous allez voir ce qu'elle est capable de faire. Avec le manuel d'utilisation en français, en allemand, bref, dans toutes les langues. Allez, on l'installe. C'est une 2 en 1 en fait, et elle est super pratique. Elle permet de délivrer de l'eau bien fraîche en quelques petites minutes. Et pas que, puisqu'elle est capable de fabriquer du soda, enfin de l'eau gazeuse. Elle est simple d'utilisation. Il suffit de remplir le réservoir d'un litre 6 situé à l'arrière, d'appuyer sur le bouton qui va venir remplir le petit réservoir sur le devant. Vous avez un écran LCD qui affiche la température. Donc la température la plus fraîche, c'est 6 degrés. Alors soit vous appuyez sur le bouton pressoir sur le petit réservoir devant là, ou bien vous appuyez sur le bouton pressoir et ensuite vous actionnerez le levier sur la droite et vous obtiendrez ainsi de l'eau gazeuse ultra fraîche à 6 degrés s'il vous plaît. Bien entendu, pour obtenir de l'eau gazeuse, il faut insérer une cartouche de gaz, enfin de CO2 à l'arrière de la machine Glacis Fraîche, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est en fait une Soda Stream. Voilà, vous avez tous entendu parler de Soda Stream. Ben c'est le même principe qu'une Soda Stream. Et vous lavez directement dans le verre. Hein, vous arrivez et vous avez de l'eau fraîche instantanément. C'est tout de suite. Voilà. Elle est électrique et elle est hyper silencieuse. On n'entend pas le bruit du ventilo à l'intérieur. Et en quelques petites minutes, vous passez d'une température, je ne sais pas, à 18 degrés, une eau qui est à 18 degrés par exemple. Et en quelques petites minutes, vous obtiendrez une eau bien fraîche, à 6 degrés. Elle est simple, ergonomique, je la trouve assez design aussi, elle est jolie. Hein. Moi, elle est sur mon plan de travail, elle est dans ma cuisine. Et lorsque j'en ai besoin, je me sers un verre d'eau bien fraîche ou bien un verre de soda. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, les liens, et je vous mettrai aussi le lien de la cartouche de CO2 que vous pouvez trouver aussi sur Amazon. Je précise que les bouteilles CO2 de la marque SodaStream vont dans la machine Glacis Fraîche. Je dis ça, je dis rien. Week-end à Ouistreham. Poteau.
emballés dans une pochette à bulles, puis dans une autre enveloppe, je ne l'ai pas encore ouvert, dans une enveloppe fermée, et apparemment, j'ai un petit cadeau. Donc, je ne sais pas ce que c'est, peut-être une culotte, je ne sais pas, on va voir ça. Emballé dans du papier de soie avec un joli nœud. Nous ouvrons tout ça avec la petite carte de remerciement Ulivari. Donc, ils ont un Facebook, un Instagram, un Pinterest et également une chaîne YouTube. Donc là, j'ai choisi un pyjama, apparemment 3 pièces. Qui se compose un kimono, nous avons la petite brassière qui va avec, et nous avons le bas, le pantalon. Donc j'ai pris la taille M, nous avons les instructions de nettoyage. Donc on part avec un petit haut dont l'encolure est draperée, ça a un nom mais je ne me rappelle plus, nous avons ces deux petites perles là, qui est accompagné d'un joli kimono, d'un pantalon donc. Alors la matière, je dirais que ce n'est pas du satin, ce n'est pas de la soie, c'est un genre de polyester. Au toucher, je pourrais dire que c'est un satin, c'est bluffant. La matière est hyper agréable, hyper douce, hyper soyeuse, hyper glissante. On a vraiment l'impression que c'est du satin, mais ça n'en est pas. Mais ceci dit, c'est une super qualité. Donc, il y a un super tombé, il y a un joli tombé. Pour info, je mesure 1m64. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'effet de nœud juste aux manches. Il fait assez chic, comme pyjama 3 pièces. Voilà pour ce magnifique ensemble 3 pièces. Je vous ajoute, bien entendu, en barre d'infos, le lien et code promo. Si l'envie vous donne d'aller faire un tour sur le site du Livaré. On a emménagé, ça fait 2 mois maintenant, mais mon facteur, il me connaît. Avec tous les colis que je reçois, mon facteur, il me connaît. Hein? Je viens de recevoir cette pochette et je me suis dit que ça serait sympa que je fasse un concours, que je vous fasse gagner cette jolie pochette et ce qu'elle contient. Je vais vous le découvrir de suite. Il s'agit de pinceaux pour le make-up. Donc, on va avoir des pinceaux pour le teint et des pinceaux pour les yeux. C'est de la marque MK Go. Voilà, c'est une pochette en peau, un cuir synthétique. Donc dans cet étui, nous allons trouver, on va mettre les pinceaux pour le teint à droite. Voilà, et puis ceux pour les yeux dans ma main. Donc là, nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 10 pinceaux pour les yeux. Et nous avons 5 pinceaux pour le teint. Donc voilà, on a des pinceaux estompeurs, des pinceaux surligneurs, des pinceaux fluffy. On a un double embout pour les sourcils avec la brosse à mascara et la petite brosse biseautée. Donc c'est en poils synthétiques, mais ils sont hyper doux, je trouve. Ils sont hyper doux. Donc je ne vais pas vous faire une démonstration de ces pinceaux puisque c'est à gagner. Mais franchement, les poils sont assez doux. J'espère en tout cas que c'est un cadeau qui fera plaisir à ma communauté. Et là, nous allons avoir les pinceaux pour le teint avec le filet dessus. Donc là, nous avons un blush. Ils sont hyper doux, franchement hyper doux. Super agréable. Là, c'est un pinceau pour le teint. Ça peut être pour le fond de teint, pour le blush. Là, c'est plutôt un pinceau pour le contouring. Voilà, il est biseauté. Ici, c'est un pinceau pour la poudre. Mais il n'est pas bien gros, celui-ci. Hein. Celui-ci, il a l'air génial. Pour appliquer l'anti-cerne, des choses comme ça. Il est biseauté. Je pense que c'est un pinceau pour l'anti-cerne. De par son côté biseauté. Pour pouvoir accéder plus facilement en coin interne de l'œil. Donc on a un manche taupe métallisé avec une bague rose gold. Mais ils sont super jolis. Ce qui nous fait au total 15 pinceaux, tout confondu, pour le teint et les yeux. Donc tout ça, c'est à gagner.
Alors justement, pour gagner cette trousse de pinceaux, il faut être tout simplement abonné à ma chaîne. Hein, ça, je ne cesse de le répéter à chaque fois. Être abonné à ma chaîne, le concours se passera sur Instagram. Je posterai bien entendu une photo sur mon fil d'actualité, sur mon profil. Vous reconnaîtrez la photo et puis ben voilà, vous participez. Vous mettez un commentaire sur la photo, vous me dites que vous participez et puis après moi je valide par un cœur. Voilà. Voilà, ensuite, un tirage au sort aura lieu et ce sera Jules qui, de sa petite main innocente, fera le tirage au sort. Et ensuite, moi, je vous contacterai. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous avons une pochette d'un simili synthétique. C'est un taupe légèrement rosé et nous avons la fermeture aimantée. Voilà, pour le transport des pinceaux. Voilà pour cette petite découverte et j'espère que ce petit cadeau vous fera plaisir. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur mon Instagram. Je viens de terminer ma journée de boulot là. Je suis fatiguée, j'ai quand même des horaires assez flexibles, plutôt cool. Hein, 8h-16h, c'est quand même des horaires de journée assez sympas. Et malgré ça, ben, je suis crevée. Je pense que ça doit être ma thyroïde aussi. Du coup, avec tous les colis que j'ai à vous présenter, je vais, c'est même fort probable que je vous fasse une autre vidéo sur les colis que j'ai reçus. Il y a pas mal de déco et je vous ferai un haul incroyable, Stockomanie, parce que là, la vidéo va durer 3 plombes. Alors oui, j'ai découvert Stockomanie, non, je connaissais déjà Stockomanie, mais je ne connaissais pas l'incroyable. J'en avais déjà entendu parler de nombreuses fois, mais je ne pensais pas sincèrement, en poussant la porte du magasin, que c'était vraiment incroyable. En fait, il porte bien le nom, le magasin. Mais alors, des prix bien moins chers que Centre-Accord, quoique Centre-Accord a vachement augmenté ses prix, un peu partout d'ailleurs. Mais je peux vous avouer que pendant quelques minutes, plusieurs minutes même, j'ai même oublié le magasin Action. Tellement j'avais les yeux qui étaient focalisés sur toute la déco. J'en voyais, ça c'est trop beau, ça c'est trop beau, ça c'est trop beau, ça c'est trop beau. Donc j'ai pris plein de trucs. Et je vais vous présenter ça dans une prochaine vidéo. Et ce sera une vidéo dédiée spéciale Stockomanie et incroyable. Et puis je pense que on va se retrouver plus tard. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et oui, vous l'avez deviné, il y a encore un colis. Je ne sais pas si vous pouvez percevoir le petit logo qu'il y a juste ici. Vous voyez, ça ressemble bien à une paire de lunettes, ça. Hein, eh bien oui, c'est une paire de lunettes que je vais vous présenter de la marque Aulia. Parfaitement emballée pour ne pas les abîmer. Et là, j'ai choisi une paire de lunettes de soleil qui me faisait de l'œil. C'est le cas de le dire. Donc reçu dans un étui en tissu avec une petite lingette pour nettoyer les verres. Voici comment elle se présente. Elles sont super belles. Regardez. Les détails. Vous voyez, c'est pas parfaitement lisse. C'est dans les tons camel. Ça fait un peu python, vous voyez, en forme d'œil de chat. Donc elles sont en plastique. Ça me semble robuste tout ça. Mais j'ai longuement hésité parce que sur le site, ils ont vraiment pas mal de choix. Les lunettes sont vraiment pas chères. Et ils font aussi les lunettes de vue. Donc si vous avez une ordonnance prescrite par votre spécialiste, vous la communiquez sur le site et en fait, eux vont ensuite vous monter les lunettes de vue par rapport à la prescription que vous aurez fournie. La livraison est gratuite dès 66€ d'achat. Retour et échange dans les 30 jours. Les lunettes sont garanties 3 mois. L'achat est sécurisé. Vous pouvez payer par PayPal. Sur le site, il y a pas mal de choix et on a pour tous les goûts. Hommes ou femmes, ils ne font pas pour enfants. Vous avez pas mal de promos, comme une achetée égale, une gratuite, moins 20% sur les verres. Vous avez un code que je vais vous mettre en barre d'infos, bien entendu avec le lien. On passe par tous les styles, hein, du style classique au style plutôt fantasy.
Aolia s'engage à fournir des lunettes à la mode innovantes et de qualité supérieure. À prix vraiment abordable. Celles-ci, je trouve qu'elles sont vraiment super belles. Trouvez pas? Je pense que je vais devoir arrêter ce vlog dès maintenant. Pourquoi? Parce que la vidéo risque d'être beaucoup trop longue. J'ai encore d'autres colis que j'ai reçus. Beaucoup de commandes Timou. Et je me suis dit que ce serait peut-être mieux que je fasse une vidéo avec tout ce que j'ai reçu de ce site-là, plutôt que vous montrer quelques petits bouts par-ci, par-là. Donc, j'ai encore 4 commandes dans la nature. Donc, c'est pour ça. Vaut mieux que j'arrête là. J'aurai aussi très prochainement un haul déco. Mais alors, je suis tombée sur des pépites, croyez-moi, et j'ai vite oublié Action. Mais j'ai trouvé un autre magasin qui n'était pas à côté de chez moi. Mais bon, il y en aurait un, mais il faut faire des bornes, quoi. Ça a plus d'une heure. Donc, à voir, à méditer. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like pour m'aider à m'encourager, de me suivre sur Instagram. Je vous mets juste mon compte ici. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. De cliquer sur la cloche située juste en dessous de la vidéo pour rester informé à chaque fois que j'en sors une. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.